c'est parfait. Ah, c'est une sorte de frein à l'évolution que tu as, Isabelle. Ok. La thématique du rêve, là, quand on dort, j'entends. La thématique du sommeil chez toi, la notion du sommeil et du rêve chez toi, ça résonne ressources. Bon, j'ai l'impression que c'est pour toi un pan à explorer de ta personnalité, de ta vie, pour pouvoir aller, comme tu dis, recevoir des programmations et évoluer. Pourquoi tu as du mal à rentrer dans le rêve? Parce que tu sais que tu vas évoluer. Donc c'est tout. C'est l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que. Ah, parce que ça remet en question ton rapport aux autres, précisément. Remettre en question ton rapport aux autres, ça veut dire de vivre comme tu l'entends, avec tes propres règles. Et chez toi, il y a des parts émotionnelles et des cristallisations émotionnelles qui, du coup, comme cristallisées, refusent de bouger. Et c'est ça que tu suis de manière plus ou moins inconsciente. Alors. Ouais, j'ai pas plus à dire. Pour le groupe, ça résonne quoi? Sabotage. Alors, la thématique de l'auto-sabotage de Ad, des pierres que l'on peut utiliser pour construire l'escalier de notre réussite et de l'auto-sabotage qui va nous faire détruire des pans de cet escalier, la structure de cet escalier, pour nous desservir et pour chuter. Alors, comment se place le groupe? Qu'est-ce que résonne le groupe là-dedans? On pense que c'est à l'extérieur de nous reconnaître, que c'est à l'extérieur de nous faire réussir. Oh putain, oh. Elle était violente celle-là. On pense que c'est à l'extérieur de le faire. On est des sales gosses, littéralement, qui, comme des petites princesses et des petits princes, qui nous croyons, qui pensons que le monde nous est redevable, que l'on peut tout avoir en claquant des doigts. Et ça, ah ouais, ça c'est puissant. Je te jure. On garde cette position-là parce qu'on a peur du père. On a peur de la structure. On a peur du monde, des entreprises, des multinationales, du gouvernement. On se sent agneau au sein d'une meute de loups. Incapable de se défendre. Incapable de montrer les crocs parce qu'on n'en a pas. Incapable de s'enfuir parce qu'on est entouré. Voilà ce que vibre le groupe. Voilà sur quel niveau d'existence il est. Et si je reparle de spirale dynamique, c'est du bleu, les amis. C'est du bleu. Et si je reformule, on nie notre identité. On nie notre valeur. On nie notre hargne pour se fondre dans le moule. Pour être sûr d'avoir à manger à la fin du mois. Et ça me répugne de dire ça. Ça me répugne totalement. Je ressens une forme de dégoût de qui je suis, de qui nous sommes. C'est horrible. À quel point on est peureux. À quel point on n'assume pas, ni d'être dans le moule, ni de ne pas vouloir, ni de ne pas assumer nos ambitions. Et à quel point on s'illusionne de pouvoir faire, de pouvoir changer les choses. Assumons qui on est.
C'est bien de critiquer, de voir le négatif. C'est bien de dire, d'être dans le positif et de voir quelles sont les solutions. Qu'est-ce qui pourrait être fait? Mais qui incarne? Qui ose mettre ses tripes sur la table et incarner? Qui le fait jour après jour, seconde après seconde? Qui ose emprunter ce chemin? Et dire ça, ça m'envoie à moi mon... Ouais, je suis pareil. Nous sommes tous pareils ce soir sur cette question. Merci pour ta question, Isabelle. Belle soirée. Alors, il m'arrive parfois de faire des nuits où j'ai l'impression d'être totalement absente. Je n'entends plus rien, aucun souvenir de rêve, de notion du temps qui passe. Et lorsque je me réveille, j'ai plus la sensation de me réveiller d'une anesthésie générale que d'une bonne nuit de sommeil. C'est vraiment étrange. Rien à voir avec mes nuits normales. J'aimerais comprendre ce qui se passe durant ces nuits-là. Merci beaucoup pour ton éclairage.